Eh bien salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui d'ouverture d'un nouveau coffret Pokémon que j'ai réussi à avoir grâce à mon pote Mylan. Donc si tu passes par là, bah, grand merci à toi. Donc c'est un coffret de Poltergeist V. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu de nouveau coffret, donc ça franchement c'est super cool. Surtout pour une carte Jumbo qui va s'ajouter à ma collection. Voilà, donc du coup il y a 4 boosters, la Jumbo, la promo. Donc j'ouvre le coffret tout de suite et on ouvre directement les 4 boosters. Donc voilà, j'ai ouvert le coffret. Donc pour commencer, je vous donne le code du coffret. Voilà. Un petit coup d'œil sur la promo de Poltergeist V. Voilà. Donc c'est pas forcément un Pokémon que j'aime, mais bon, pour la collection, ça reste quand même sympa. Et la même en Jumbo. Voilà. Voilà. Donc moi, je collectionne les cartes Jumbo. J'en ai tout un classeur. Voilà. Donc pourquoi pas un jour vous faire une vidéo exprès sur mon classeur de cartes Jumbo. Ça peut être intéressant. Et puis les 4 boosters. Alors ça c'est cool parce qu'il y a du Clash des Rebelles. Donc vu que j'en ai pas ouvert des masses, et ben ça franchement c'est top. Deux Clash des Rebelles, Gardien Ascendant et un Éclipse Cosmique. Alors deux Soleil et Lune et deux épées boucliers, ok. Donc on va commencer par les plus récents, par les Clash des Rebelles, et on fera les Soleil et Lune après. Allez c'est parti, Clash des Rebelles. Donc ça franchement c'est cool. Avec le Pyrobut. Alors, le premier code online de cette vidéo. 1, 2, 3, 4. Et on va commencer le premier booster par une énergie feu. Chelours, Carolina, Luxio, Canardichaud de Galar, Roncourmand, Monsieur Mime de Galar, Chenipan, Barloche, la première reverse qui est Caninos. C'est une peu commune reverse. Et on va terminer le premier booster par une petite holographie qui est Pomme Drapi. Ok. C'est plutôt sympa. Les holos, je trouve qu'elles reviennent beaucoup plus qu'avant, je trouve. Depuis épée bouclier, j'ai l'impression que les holos sont beaucoup plus fréquents. Allez, deuxième booster de Clash des Rebelles avec le Gorythmique. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite V dans ce coffret? Ça serait vraiment cool. Hop, le deuxième code. Et on continue le deuxième booster avec une énergie électrique. Arashuti, Guido, je me rappelle plus du tout ces cartes-là. Wagomine, Archeomir, Toxizap, Funessir, Nenupio, Melofé. Larvibule qui est une peu commune reverse et une simple rare qui est Crapustule. Ok, donc pour les deux boosters d'épée bouclier, on n'a pas eu vraiment de chance, on a eu juste une holo pour l'instant. Donc maintenant, bah, on va finir les deux avec les deux de Soleil et Lune. On va commencer par Gardien Ascendant. Allez, l'avant-dernier code de la vidéo, voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, avant-dernier booster, énergie feu, hôtel de la lune, bandeau choix, tentacruel, sauf kipou, bébé kai, myrmiasme, wenmer, nirondelle, la reverse qui est une rare reverse, et je crois qu'on a quelque chose derrière. J'ai cru voir briller. Donc déjà une rare river, déjà c'est une bonne pioche. Et une GX je pense. Ah pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Tocopillon GX, voilà, l'un des gardiens. Voilà, franchement pas mal, excellent. Une petite GX, franchement c'est mieux que rien. Franchement une ultra, ça fait plaisir. Voilà, donc Tocopillon GX. Et le dernier booster de la vidéo, donc du coup c'est un Soleil et Lune Éclipse Cosmique, voilà, donc ça fait des masques que j'en ai pas ouvert, avec Dialga, Palkia et le troisième, j'ai un trou mais je me rappelle plus, enfin bref c'est pas les trois légendaires on va dire. C'est quoi le troisième? Dialga, Palkia, enfin bref c'est pas grave. Allez hop, voici le dernier code de cette vidéo, 1, 2, 3, 4. Allez, dernier booster, énergie feu, Kirlia, roller skateuse, Melofé, Pandespiègle, Rototop, sac de nœuds, Evoli, Skelenox, la reverse qui est une simple reverse de nounourson et
On va finir ce booster par un pingoléon en rare. Et ben voilà les amis, moi j'ai fini ma vidéo d'ouverture de ce coffret. Donc quand même c'est plutôt sympa. Une petite holo, une GX et puis évidemment la promo de Poltergeist V en normal et en jumbo. Donc voilà les amis, et ben j'ai terminé cette petite vidéo, c'était assez court, mais plutôt, on s'en sort plutôt pas mal avec une petite GX et une holo, franchement c'est plutôt sympa. Donc voilà, et ben n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !